Coucou tout le monde, c'est Phoenix Ubaldos et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Dragons, The Night Realms, je sais plus le nom. La légende des 9 royaumes, normalement, si tu dis pas de bêtises. Ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné d'épisode, alors du coup on reprend parce que bon, il faut reprendre quand même et je sais plus du tout les touches. Catastrophique. La dernière fois, souvenez-vous, nous avions commencé, bah nous avons même fait deux maps, oui voilà, on avait fait deux maps du royaume de glace. Et donc aujourd'hui, on va reprendre où on s'est arrêté. Donc les repères lumineux. Où on va avoir. Oh, alors des écrevasses, Vélocidar. Et le fameux dragon de glace de Pardol à l'Erib, dont je n'ai toujours pas re-regardé la série. Parce que, quitte à faire, autant que je dise de faire des trucs que je ne fais pas. Oui, celui qui a une vision. Pas infrarouge, enfin qui voit les chaleurs corporelles. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais bon, on va revoir un peu tout ça dans cet épisode. Avec les touches, normalement. Parce que j'ai essayé de regarder les options, j'ai pas de truc d'options, donc... Alors. Déjà, ouais. Pour bouger, c'est ça. Pour voler, c'est ça. Ensuite, pour se battre, c'était quoi? Ça c'est le menu, ok. Ah bah tiens, commande. C'est incroyable, il faut lancer le jeu pour avoir ça c'est pour ok. Tonneau. Ah non, ça c'est un vol. Morsure, voilà, c'était J et K. JK. JK Rowling. Ah, qu'est-ce qu'on se marre. J et K. Ok. Ah oui, donc faut que je joue. Non, arrêtez. Voilà, faut que je joue. Mais merci. Faut que je joue. Voilà, avec ça. Ok. Parfait. Bon, allez, on est reparti pour l'exploration de. Ah, moi je suis con, c'est de la flamme. Donc on va rester avec lui. Parce que c'est vrai qu'il faut continuer à récupérer nos patounes. Nos petites patounes. Alors. Ah, on ralentit quand on est sur les flaques. Ok. Bah du coup, pas la peine de... Ok, donc la base, il y a de la richesse. Donc je ne me souviens plus exactement... pour ce niveau-ci, ce qui s'était passé, du coup. Hop là. Va-t-on enfin réussir à avoir des gemmes dorées pour pouvoir améliorer plus simplement nos dragons? Parce que c'est vrai que le coût d'amélioration, si je me souviens, reste quand même assez abusé. Donc, bon, c'est... De la neige! Ah oui, c'est vrai qu'il est invisible! La peau blanche des rages des neiges leur permet de se camoufler pour attaquer leurs victimes sans être vus. Oh ouais, mon gars. Moi aussi, je peux faire, je peux mettre des claques, moi, et oh. Non mais oh, rage des neiges, voilà, donc c'était ça. C'était un épisode doué de Pardol à l'Erib où on avait la gothique qui devait chercher le temps de rage des neiges. Alors soyez prudent. On va reprendre. Voilà. Alors je vais quand même aller. Ah shit. Donc. Oh non, il m'a paralysé. Ouais, du coup, faudra peut-être que j'arrête. Mettre des tatanes plutôt que des coups de laser. Hop. D'ailleurs, c'est quoi ça? C'est juste un vent. Bon, c'est juste un vent. Ça bouge pas. Enfin, ça fait pas bouger. Ça ne déplace pas. Ça ne ralentit pas. Alors.
continuons l'exploration. J'ai eu très peur. De rage des neiges, ça fait quand même beaucoup. Non, je pensais que ça... ça déjà... Aïe. Ah oui, c'est vrai. Merde, je suis pas assez... Arrête-toi. Je prends des dégâts. Ah, l'hiver. Quelle calamité. Et il faut qu'on ait... faut aller là-bas. Ok. Rien à prendre... Ah, des vélocidaires. Boum, coup de boule. Ah, moi je suis un dragon. Un bélier. Ah putain, mais c'est vrai qu'on... on est ralenti. Donc, quelque chose me dit que c'est par là qu'il faut aller. Donc, du coup, on va un peu explorer. Alors, est-ce que c'est là? Non, c'est pas ce que je voulais faire. Bah du coup j'ai un doute. C'est vrai que c'est ça qui est un peu bizarre, c'est qu'on sait jamais exactement où aller en priorité. Et puis en plus tant qu'on n'a pas les 4 dragons déverrouillés parce qu'on a des passages qu'on ne peut pas emprunter. C'est encore plus difficile. Non, mais je dirais bien qu'on a quand même possibilité d'aller là-bas. Alors, on a détruit de la... Alors après, mais est-ce qu'on peut quand même... Ah, du coup, j'ai un doute. Du coup, j'ai un doute. Alors, je prends des dégâts quand je me mets au sol. Et j'ai pas de... Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est juste que j'étais pas au bon endroit. Je me souviens plus, est-ce que c'est lui qui arrive à... Ouais, donc non, c'est pas... Ah, mais attendez, je suis con. Je suis des Bills. Faudrait que j'arrive à me rapprocher du... Non, c'est trop haut. Ouais, en plus c'est du vent, donc non, je peux pas aller par là. Je ne peux point aller par là. Avec le vent qui nous pousse. Bon bah c'est pas grave, on va continuer dans cette direction là. Alors oui, c'est aussi une question qu'il faut que je me pose. C'est que on fait le jeu, donc la première rame. Mais est-ce que je fais les 100% en vidéo ou pas, c'est ça aussi que je vais me poser comme question. Il va falloir se poser des questions. On verra ça, de toute façon, on fait le mode histoire tranquillement déjà, et puis on voit ce que ça vaut. Oh, des vélocidaires. Quand même un peu de dégâts dans la tronche, surtout qu'il y a de la glace entre temps, donc ah, un rage de neige. Voilà, rage de neige détruit. Completed comme d'hab. Les petites gemmes qui font plaisir, et on continue. Alors, est-ce que... Je me souviens plus si... Oui, voilà. Ça, je peux quand même le détruire.
Donc ça, je suis obligé juste de faire de... Hop là. Ensuite. Oula. C'est pas ce que... Voilà. C'est ça que je voulais faire. Oh, les vélocides arc-en-ciel, ça me bute toujours autant. Alors, bah du coup... Est-ce qu'il y a quand même possibilité de passer? Mais bien sûr qu'il y a possibilité. Bien évidemment. Oh la vache, il y en a. Des crevasses. Avec quelques coups de boule, on arrive toujours à faire quelque chose. Je m'attendais pas à ça. Hop. J'ai une salle vide. Donc on peut continuer. Hop. Alors. Vers où allons-nous aller? Ah, et là du coup... D'accord. C'est parce que j'ai fait les choses dans le désordre. Ça arrive. Ouais, je suis très explorateur. Dans les jeux vidéo, généralement, je suis très explorateur. Faut toujours que je vérifie s'il n'y a pas le moindre truc caché, etc. Et le problème, c'est que je devance parfois beaucoup trop le jeu. Ce qui fait que, bon, bah... voilà, j'ai tendance à pas profiter pleinement de... de l'expérience que propose le jeu, parce que je vais trop en avant ou je découvre des trucs qu'il fallait pas découvrir au début, etc. Coup de boule. Charged. La technique Zidane Zidane. Hop. Alors, c'est par là que je vais aller, je suis bloqué par le Glaucaillou. Paisiblement. Ah, un écrevasse. Merde, j'ai bien goûté mon... Coup de boule, coup de boule. Coup de boule, coup de boule. Alors, après, est-ce que je peux monter? Je ne peux pas monter. Ouais, non, faut que je... Faut voir un autre dragon, je pense. Il me faut un autre dragon. Ah. On va changer un petit peu. Allez. Hop. Ah mais il est camouflé. Est-ce que je peux? Bah vous êtes sûr que j'ai loupé? Eh. Oh il m'a tapé. Le méchant. Moi j'essaie de faire ça classe. Mais non, à chaque fois le jet d'éclair arrive à côté. Vélocidar. Voilà. Aïe, il a quand même eu le temps de m'étourdir. Salaud. Je t'ai vu, tu n'es pas aussi invisible que tu en as l'air. Completed. Completed. Il remue la queue quand il a terminé, c'est une mignon. Toc. Hop là. Les petites gemmes, les petites gemmes. Et fin du niveau. Nous y sommes. Bon, un petit épisode où on reprend un peu les commandes. Et on reprend tout doucement un record. On va essayer de faire en faire pas mal. Donc voilà. Un petit retour là au jeu qui fait plaisir. Ah bah j'espère que ce petit épisode... Mais ta gueule. J'espère que ce petit épisode vous aura plu. Ah donc il faut vraiment... Ouais c'est le genre de jeu où il faut le faire une fois et recommencer après. Afin de pouvoir vraiment faire le jeu à 100%. Enfer blanc. Très bien, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouvera donc prochainement pour l'enfer blanc. Mais d'ici là, moi je vous dis portez-vous bien. Et surtout, à qui au revoir tout le monde.